Yes. Petit hypnotiseur est un vrai collectionneur. Silence, on n'est peut-être pas seul. Ah ! Ça, il l'a fait exprès. Mon cœur ne va pas résister. Je crois qu'il n'y a personne. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage qu'il ne veut pas qu'on voie. Fouillons vite cet endroit. Je vais devoir reposer mes genoux dans le temps. Il me faudrait une lentille comme celle-ci. J'arriverai peut-être à lire mes ordonnances. Oui. Il faut qu'on passe de l'autre côté de ces étagères. Elle doit servir à quelque chose? Qui ne tente rien? Quelle pagaille! Ça me fait penser à la chambre de Flèche. N'aime pas jeter non plus. J'ai toujours ma carte collector de Gilbert Leclerc que j'ai eue avec un chewing-gum en 58. Même si on bat tout dans des cochonneries, oh, je n'aurais jamais cru participer à une vraie mission de super. La chambre de Flèche n'est pas si mal comparée à ça. Enfin, la voilà. Rappelez-moi de ne pas demander à l'hypnotiseur de ranger mon garage. Ah.
demande si ces câbles mènent à une source d'énergie. Ça, c'est du système D. Il y a quelque chose d'utile ? Un générateur. Je vais m'en charger. C'était la dernière. Ça va servir à ouvrir la cage, à creuser le sol pour nous faire un tunnel. Entrez. Voyons ce que l'hypnotiseur cache si précieusement ici. Et reflux. Thank you.
Mes cornets. Me voilà. Regardez, je suis ça. C'est une blague. La collection de voitures du milliardaire Victor Caché vient de s'agrandir avec l'acquisition de la super voiture qui était autrefois celle du super-héros Monsieur Indestructible. Elle avait été détruite. Ils ont dit c'est ma voiture. Le voilà. Allons-y. C'est vous la patronne. Attention, poussez-vous. Je préfère marcher et fouiner plutôt que courir et pourchasser. Hypno-teaser, vous, R.R. et moi, quand on vous attrapera. Au revoir, Velociraptor. C'était amusant. Je suis là, moi aussi. Oh, toute cette poussière n'arrange pas mes allergies. Bon, mauvaise nouvelle. La porte est bloquée. On va devoir être imaginatif. J'ai une idée. Faites descendre ce bloc. Attention en dessous. On doit construire quelque chose pour libérer le passage. Il faut se dépêcher de construire, il s'échappe. M'étais pas autant amusé depuis des années. Génial, mais il faut... Il va falloir faire mieux pour se débarrasser de nous. Allez, allez, ouvrez. À la prochaine. Ah, non ! On y était presque. Ce n'est pas fini. Bougeons cet ascenseur. Oh, non ! Non ! En fait, c'est une bonne chose.
Voilà comment on va l'attraper. Faites vite. Je commence à avoir une crampe. Elastigirl ? Que s'est-il passé ? Je me suis trompé de commande ? Vous n'aimez pas les anchois ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, vous voulez me faire croire que vous êtes juste un livreur de pizza ? Bah oui, vous me prenez pour qui ? Je fais les maths, je règle le problème du petit copain et j'empêche le bébé de se transformer en un monstre de flamme. Hein ? Et je réussis à m'en sortir parce que je suis Monsieur Indestructible. Je crois que j'ai besoin d'un peu de repos. Ensuite, c'est bien. Oh, tu as besoin de plus qu'un peu de repos, Bob. Tu as besoin de repenser ta vie à tous les niveaux. Tu dois tout reconsidérer de A à Z. Très inhabituel. Est-ce que tu vois ça, Robert ? Fascinant. Tu es bien pâle. Je comprends ton manque de sommeil et de cohérence, Robert. Les bébés demandent du temps et le tien ne fait pas exception. Il a un potentiel et... Tante Edna a veillé cette nuit pour s'assurer que tu seras fabuleux sous toutes tes formes. S'il vous plaît, je voudrais tous vous remercier, vous qui êtes venus ce soir, pour soutenir les super-héros. Les grandes puissances du monde réunies à un sommet mondial viennent à l'instant de décider d'autoriser le retour de tous les super-héros. Nous allons réunir super-héros et dirigeants de toute la planète sur notre bateau pour une cérémonie en mer retransmise en direct. D'accord. D'accord, bien. Utilise ce truc. Tu vois, c'est la mesure actuelle. Il est là! Allez, viens! Miam, miam, le bon gâteau! Ouais! Vous m'avez fait peur. Désolée. Je vous ai vu vous éclipser. Vous aviez l'air préoccupé. Ça va ? Ouais, je voulais juste prendre un peu l'air. Hein ? Vous voulez vous dégourdir les jambes ? Oh, désolée, je ne voulais pas. Ce n'est rien, Vortex. Ce sera avec plaisir. Venez. Je n'ai pas pu visiter cet endroit. Vous voulez qu'on aille faire un tour ? Avec plaisir.